Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser l'application NGL. Alors déjà, premièrement, je vais te montrer comment télécharger l'application. Alors pour cela, ce que tu vas faire, c'est aller dans l'App Store et tu vas chercher NGL. Alors tu recherches NGL et là, tu auras le résultat. Tu vas taper dessus et là, tu vas télécharger l'application. Alors dans mon cas, moi, j'ai déjà téléchargé cela. Tu vas tout simplement procéder en tapant sur le bouton télécharger. Alors, après avoir téléchargé l'application, tu vas taper sur ouvrir. Et là, voici à quoi ressemble exactement l'application. Alors là, nous sommes dans la page partager. Et là, tu peux voir aussi messages. Alors, c'est ici que tu vas pouvoir réceptionner tes messages lorsque tes amis vont t'écrire en anonyme. Alors, tu as aussi l'icône paramètres tout en haut de ton écran sur le côté droit qui te permet de tout simplement décider si tu souhaites recevoir des notifications lorsque quelqu'un t'écrit en anonyme ou pas. Alors ici, tu peux customiser cela à ta guise. Ici, tu peux tout simplement désactiver cette case ici pour désactiver la notification lorsque tu as des nouveaux messages. Alors, tu peux faire aussi de même pour la première case. Alors là, c'est pour les paramètres. Alors ici, maintenant, ce que vous avez, c'est un lien qui va vous permettre de recevoir des messages en anonyme. Alors là, j'ai mon lien. Pour copier ce lien, tu vas tout simplement taper sur le bouton « Copier le lien » comme ceci. Et là, tu vas pouvoir partager cela. Alors, si vous avez la possibilité de recevoir des messages anonymes, des confessions et aussi d'autres jeux de votre choix. Alors, vous allez tout simplement choisir ce qui vous convient et là, vous allez taper sur le bouton partager. Alors, je vais utiliser ici l'option messages anonymes. Alors, pour cela, ce que tu vas faire, c'est taper sur le bouton partager tout en bas. Tu tapes sur partager et là, tu as la possibilité de partager ton lien NGL soit sur Instagram, Twitter ou encore X. Aussi Snapchat. Alors pour partager ton lien sur Instagram, ce que tu as fait, c'est premièrement te rassurer que tu as choisi ou tu as tapé sur l'icône Instagram. Alors tu vas procéder en tapant sur étape suivante, tu tapes dessus jusqu'à ce que tu vas arriver sur cette page ici. Alors avant de procéder, rassure-toi d'abord d'avoir copié ton lien NGL. Tu vas taper sur partager et là on va faire comme tout à l'heure, étape suivante. Puis, ce que nous allons faire, c'est taper sur partager sur Instagram. Alors, nous serons immédiatement renvoyés vers Instagram. Ok, et là, maintenant, nous avons déjà une image sur laquelle nous allons pouvoir coller notre lien NGL. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est taper sur l'icône qui est juste à côté du grand A au milieu à haut de notre écran. Vous tapez dessus. Et là, ce que vous allez faire ici, c'est rechercher lien. Vous tapez sur lien. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est coller le lien de votre compte NGL. Puis vous allez taper sur terminer. Et là, maintenant, vous allez positionner cela comme ceci. Et là, vous allez taper tout en bas à gauche sur votre story. Et là, maintenant, vous aurez partagé votre lien NGL. Puis vous aurez la possibilité de recevoir des messages en anonyme. Alors, c'est ainsi que tu vas pouvoir partager ton lien NGL sur Instagram. Alors, nous allons rapidement rentrer sur NGL. Et là, je vais vous montrer aussi comment partager sur Snapchat. Alors, vous allez faire comme tout à l'heure. Vous vous rassurez que vous avez tapé sur l'icône Snapchat tout en haut. Et là, vous allez taper sur étape suivante. Puis, vous allez taper sur partage sur Snapchat. Alors, vous serez immédiatement renvoyé vers Snapchat. Alors, vous allez patienter jusqu'à ce que l'image de l'application NGL soit directement mise sur l'application Snapchat. Alors, vous allez patienter. Alors là maintenant, l'image a été mise. Ce que nous allons faire, c'est prendre une image. Nous allons tout simplement taper sur le bouton blanc tout en bas au milieu, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire maintenant, c'est taper sur l'icône sur le côté droit de votre écran, juste ici. Vous tapez dessus. Et là, vous allez coller votre lien NGL. Après avoir fait cela, vous allez taper sur Entrée ou encore OK. Alors là, vous serez immédiatement renvoyé vers votre interface NGL. Ce que vous allez faire ici, c'est taper tout en bas, se joindre au Snap. Vous allez taper comme ceci. Et là, maintenant, vous allez recadrer ceci pour mettre dans le rectangle qui est juste derrière. Vous allez mettre cela comme ceci. Et là, vous aurez maintenant la possibilité de partager cela sur votre story Snap pour pouvoir recevoir des messages anonymes. Alors, c'est ainsi que tu vas pouvoir donc partager ton lien NGL sur Snapchat. Alors, maintenant, ce que je vais te montrer ici, c'est comment on fait pour répondre aux messages anonymes. Alors, admettons que tu as reçu des messages ici auxquels tu souhaites répondre. Par exemple, ce que je fais ici, c'est prendre le message. Tu as des problèmes de confiance, par exemple. Alors, disons ici que tu souhaites répondre à ce message sur Instagram. Là, ce que tu vas faire premièrement, c'est te rassurer que tu as choisi l'application Instagram tout en haut de ton écran au milieu. Et là, tu vas taper ici sur répondre. Alors ici maintenant, tu vas voir que le message sera automatiquement ajouté à Instagram. Et ce que tu vas faire ici, c'est taper sur le grand A et le petit A tout en haut de ton écran. Et là, tu vas pouvoir répondre à ce message. Par exemple, ici, je vais mettre non. Et là, tu vas voir que j'aurai répondu au message anonyme sur NGL. Alors, je vais rapidement fermer ceci. Et aussi, je vais te montrer comment répondre sur Snapchat. Alors, c'est la même procédure avec Twitter, ok?
vous allez tout simplement suivre la même procédure. Alors pour Snapchat, c'est aussi la même procédure. Vous allez taper sur répondre et là vous allez voir que l'image sera automatiquement ajoutée à Snapchat. Ok, et là vous aurez la possibilité maintenant de répondre à ce message anonyme. Alors vous allez patienter comme ceci et là vous allez prendre une image. Ok, vous allez prendre une photo et vous allez taper toujours sur le T en haut de votre écran sur le côté droit. Et ici vous allez saisir votre réponse. Je vais entrer ici non. Ok, et là vous pouvez voir que j'ai répondu. Alors c'est ainsi que tu vas pouvoir donc utiliser l'application NGL pour pouvoir recevoir des messages anonymes.